passer entre toi et moi. J'ai jamais perdu un duel de ma vie. Je vais mourir. C'est certain. Laissez-moi profiter de mes derniers instants. Oh, Rangou est malade. Regardez ça. Oh là là, Gouran, mais qu'est-ce que tu vas faire? Calme-toi, Darzi, c'est juste un rhume. Rangou dramatise comme toujours. J'ai chopé un fruit du dragon. Et alors, qu'est-ce que tu veux avec ton fruit? Tu ne vois pas que l'heure est grave, c'est la fin. Notre cher Rangou va mourir. Mourir. Non, non. Il dramatise toujours. Il dramatise toujours. Je ne peux plus respirer. Regardez mon fruit du dragon. Je l'ai cueilli tout seul en sautant sur une branche méga haute. Oh, désolé, on est pressé. Une prochaine fois, Ricky. Regardez mon fruit du dragon. Je l'ai cueilli tout seul. Regardez tous. C'est pour ça que tu nous réveilles? Pour un simple fruit? Oui. En fait, non, c'est parce que je suis malade. Tu as probablement attrapé un rhume. Oui, il paraît qu'il y en a plein en ce moment. Mais en plus, j'ai mal au nez. Et d'ailleurs, il est tout bouché. J'ai plus du tout de flair. Et j'ai très chaud, très chaud. Oh oui. Tu as vraiment très chaud? Je vais t'examiner, on ne sait jamais. C'est peut-être une fièvre tropicale. Une quoi? De la toux et un nez bouché. Et chaud. Malheureusement, Ricky, tu as attrapé une fièvre tropicale. C'est grave comment la fièvre tropicale, Balou? Ça n'est pas dangereux si on la soigne et ce n'est pas contagieux non plus. Ricky a dû se faire piquer par un parasite. Génial! Tout va bien, alors je peux aller manger mon fruit. J'ai dit qu'elle était sans danger si on la soigne. Il va falloir qu'on aille chercher du ginkgo biloba au sommet de la montagne interdite. La montagne interdite? Tu veux dire la montagne qui est interdite aux animaux parce qu'elle est trop dangereuse? Mais t'es un dingue ou quoi? Aux grands mots, les grands remèdes, en route. Vous savez quoi? Je vais vous attendre ici, moi. Ce sera plus simple sans moi. Je me sens si faible. Et ta fièvre alors? Courage, tu viens avec nous. Il faut qu'on puisse te surveiller. Maître, grande nouvelle. Mon nez est tellement bouché, je ne t'ai même pas senti arriver. Je sais quel remède peut vous soigner, maître. Mais parle plus fort ou approche-toi, j'entends rien. La mangouste est malade, comme vous. C'est une fièvre tropicale. Balou et Mowgli vont la soigner en allant au sommet de la montagne interdite. Si on les suit, vous pourrez obtenir le remède et... Oh, chez le petit homme, voilà qui va me guérir sur le champ. Absolument. Grâce à qui? Hein? Attendez-moi! Je vous tiens! J'ai menti! Je me suis senti tellement bête de vous avoir réveillé que j'ai tout inventé, tout! La toux, le nez bouché, la fièvre! C'est la peur qui te fait raconter des bêtises plus grosses que toi! Il faudrait être fou pour simuler une fièvre tropicale! Non! C'est la fièvre, ça! Je suis en plein délire! N'aie pas peur, Ricky. À moins que ce soit la fièvre qui te fasse trembler. Ça ne me prendra pas longtemps. On sera vite de retour au pied de la montagne. Ne me dites pas que vous êtes prêt à renoncer au petit dôme pour un petit bout de bois suspendu au-dessus du vide. Ah,
comme un pauvre petit chaton quand vous avez peur, maître. Ma préparation est prête. Ça sent super bon. Ça peut être très dangereux pour la santé de prendre un remède sans être malade. Super, je suis guéri, on peut rentrer maintenant. Ça brûle. Je comprends pas, Balou, ta préparation, elle devait le guérir, pas le faire souffrir. Mais ça brûle comme le feu dans ma gorge. Le Ginkgo Biloba est en train d'agir, c'est une réaction normale. Pourquoi vous m'avez fait ça? Je suis malade maintenant à cause de vous. Je suis malade, je suis malade, je suis malade. À cause de nous. Ricky délire parce qu'il a de la fièvre. Nous devons attendre que le remède agisse. Peut-être qu'il a raison, en fait, hein? Que tu t'es trompé, Balou. Non, aucun mal ne me résiste, Bagheera. On va redescendre par le flanc nord. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Regardez, maître, c'est sûrement le remède de Balou. Ça brûle. Je me sens... Ma gorge s'éclaircit. Mon nez aussi s'éclaircit. Allez, à moi le petit dame. Non, à nous le petit dame. Ça brûle. Je fonds comme du miel au soleil. Tu t'es forcément trompé, Balou. Ricky devrait être guéri maintenant. Voilà que j'ai mal au cœur. Tout plus nez bouché plus température élevée égale fièvre tropicale. Pour la soigner, on donne du Ginkgo Biloba, voire quelques herbes complémentaires. C'est comme ça qu'on a toujours fait. Même les plus grands font parfois des erreurs, Balou. Mais oui, j'ai trouvé. Il faut ajouter une compotée de lime amère de l'île perdue. C'est encore plus dangereux que la montagne interdite. C'est juste à côté du village des hommes, Balou. Je ne vais pas au village des hommes, moi. Pas la peine, je me sens déjà mieux. Enfin, presque. Dépêche-toi. J'ai mal au cœur. Je ne raterai pas le petit homme à cause de toi. Arrêtez, arrêtez. J'ai fait semblant d'être malade pour qu'on fasse attention à moi. C'est pour ça que le remède ne marche pas sur moi. Et que... La fièvre te fait dire n'importe quoi. Tu n'aurais pas fait un truc aussi stupide que faire semblant d'être malade. Parce que si c'est le cas, c'est le remède qui te met dans cet état. Oui, non. J'ai trop chaud. Waouh, c'est ça l'île perdue. C'est fantastique. Me voilà en pleine forme grâce à ton remède, mon cher Balou. Alors maintenant, je vais dévorer le petit homme parce que toute cette histoire m'a donné une faim du tigre. Les hommes. Tout est ma faute. Si je vous avais pas menti, je suis tellement désolée. T'as vraiment fait semblant d'être malade? Attends un peu, t'as fait semblant et t'as pris le remède. Et ça t'a rendu malade. Alors, maintenant que c'est pour de vrai, mais oui, les limes amères peuvent te soigner. Je me sens vraiment pas bien. C'est pas bon. Mais cette fois, je me sens vraiment mieux. Je suis guérie. Je me demande par quelle partie de ton corps je vais commencer, petit homme. Qu'est-ce que tu en penses, Tabaki? Hein? Quoi? Une aile? Balou! Bagheera! Au secours! C'en est fini pour toi, petit homme. Attendez-moi, maître! Je vous promets de plus jamais faire semblant d'être malade. Je voulais juste un peu d'attention. Et dire que j'ai failli douter de tes compétences, Balou. Je suis désolée. Ça pique. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Oh,